Donc aujourd'hui, nous allons parler des protections en néoprène pour les objectifs. JAMA importe depuis pas mal d'années deux marques de protection pour objectifs. La marque Lenscoat qui vient des États-Unis et la marque Wildlife qui vient d'Angleterre. Deux marques qui ont un concept un petit peu différent, avec un néoprène un petit peu différent. Donc on va vous expliquer les différences et qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc ici sur cette table, on a les deux protections. Ici la marque anglaise Wildlife, ici Lenscoat. La petite différence, c'est surtout dans le néoprène. Le Wildlife, à l'intérieur, c'est vert. C'est vert avec un petit peu de nylon. Lenscoat, à l'intérieur, c'est caoutchouté. On voit ici la petite différence aussi au niveau de l'épaisseur. Wildlife est bien plus épais que Lenscoat. Il y a une certaine différence d'épaisseur, on va dire un bon tiers de plus pour Wildlife. Mais l'avantage de Lenscoat, c'est que l'intérieur est caoutchouté. Et donc ça donne un avantage, c'est que ça tourne pas, ça bouge pas, ça adhère mieux à l'objectif. Il n'y a pas de colle évidemment sur ce genre de produit, ça laisse aucune trace de colle, quel que soit, mais il y en a un qui adhère mieux, c'est Lenscoat. Lenscoat a un pouvoir, disons, d'adhésion naturelle grâce au caoutchouc, ce qu'il n'y en a pas Wildlife. Après, au niveau des coutures, c'est à peu près la même chose. Ici, on a une couture en Y qu'on voit ici. Et en Y, ici, en zigzag, dans les deux cas. Donc, au niveau du résultat, c'est la même chose. Les découpes aussi, c'est à peu près la même chose. Ici, on a la petite découpe pour l'écrou de l'objectif. Et ici, on a aussi la petite découpe. Voilà. Faut peut-être enlever dans ce cas la petite molette. Donc c'est à peu près pareil, donc à mise à part l'intérieur, donc qui est un petit peu caoutchouté pour le Lenscoat et Wildlife qui est réversible de l'autre côté, puisque on peut très bien aussi utiliser le néoprène dans l'autre sens. Ensuite, au niveau des découpes. Là par exemple on a typiquement les fenêtres qui permettent de voir les réglages qu'on a attribués à l'objectif, si on a mis l'autofocus, etc. Donc on voit directement le réglage par les petites fenêtres. Chez Wildlife, il n'y a pas ces fenêtres, il n'y a pas de fenêtres. Donc le principe de chez Wildlife, c'est que ici, on va soulever le néoprène pour aller voir ce qu'on a choisi. Voilà, on fait ça. Et donc, du coup, on voit directement les réglages que l'on a choisi ou que l'on peut faire. Alors, moi, je trouve que c'est pas mal cette solution-là, puisque il faut bien imaginer que quand il pleut, ou quand il fait très froid, on a des gants. Et manipuler ces interrupteurs avec des gants, c'est facile. À travers la fenêtre de l'objectif, c'est moins facile puisque ça a tendance à glisser. Donc il faut à main nue, ça se fait, mais à travers des gants, c'est un peu plus difficile. Les grosses différences sont dans ces quelques points-là. Alors la petite différence entre ces deux modèles ont des avantages dans un cas et parfois des petits inconvénients pour l'autre cas. Donc le fait que ça adhère pas très bien chez Wildlife, par exemple sur un objectif comme le 70-200 de 8 avec un pare-soleil un peu découpé qui est pas rond, aura tendance un petit peu à tourner autour du pare-soleil. Bien que Wildlife ait mis une petite pastille caoutchouc à l'intérieur, ce qui empêche le camouflage de tourner autour du pare-soleil. Donc, Wildlife
peut être un petit peu un problème quand il adhère pas bien sur le pare-soleil. Pareil, ici, au niveau de la... Par exemple, on voit ici, ça tourne un petit peu. C'est pas très gênant. Ici, au niveau du zoom, ça adhère bien, ça va. Mais parfois, ça glisse un petit peu. Au niveau de la préhension aussi, je trouve que Wildlife est peut-être un peu épais. Et du coup, on a une moins bonne sensation au niveau du toucher du zoom, par exemple. Donc, ça peut être un petit problème. Mais bon, je trouve quand même, en général, Wildlife, et du fait que c'est mieux protégé, plus épais, l'objectif se trouve plus en sécurité. Au niveau du camouflage, c'est pratiquement la même chose. Dans les deux marques, on a pas mal de possibilités de choix de couleurs. Les deux marques présentent différents coloris pour leur camouflage. Chez Wildlife, et vous avez même deux coloris en un seul, puisque vous avez du vert et le Max 4 d'un côté. Donc vous pouvez le retourner, c'est complètement réversible. Voilà, tac. Donc là vous êtes en vert uni, et tac, là vous êtes en camouflage. Le plus long, c'est de déshabiller l'objectif pour changer de couleur. Chez Lenscoat, vous avez des couleurs un petit peu différentes, mais les mêmes aussi. C'est-à-dire que vous avez bien sûr le Max 4, vous avez le camouflage, qui existe aussi chez Wildlife. Vous avez le camouflage neige, donc c'est pas blanc, c'est avec blanc, mais avec surtout des petits branchages, qui donnent un effet plus réaliste. Le camouflage digital, c'est un mi-chemin entre le printemps, l'hiver, l'automne, c'est un peu multisaison quoi. Alors bon, il y en a que ça plaît pas souvent, mais bon, ça existe. Et beige qui peut être utile si on a un petit peu de neige, mais pas trop, voilà. Donc ensuite, on a des camouflages un petit peu inattendus, comme un camouflage façon panthère, ou façon léopard, ou rose, ou noir aussi. Chez Lenscoat, ça existe en noir complet. Chez Wildlife aussi, ça existe en noir. Donc la couleur, vous avez le choix. Après, bien sûr, on les a pas tous en stock, loin de là. Ce qu'on tient en stock, nous, c'est le Max 4. Et sur le vert, parce que c'est la même couleur. Et c'est tout. Si vous voulez d'autres couleurs, il faut un petit peu de temps pour qu'on reprovisionne, mais ça c'est possible. Question qu'on nous pose assez souvent sur ce camouflage, c'est comment ça se passe quand on a une partie de l'objectif qui rentre sur lui-même. Le cas classique, c'est un zoom. Ou comme ici, avec c'est un 5-6, le pare-soleil rentre dans le fût du zoom. Donc on n'a pas la place de mettre un néoprène permanence, puisque il faut que ce soit lisse. Là, ici, j'ai mis un petit scotch de camouflage très fin, ce qui fait que je peux quand même arriver à rentrer mon pare-soleil sur l'objectif. Mais dans nombreux cas, on ne peut pas. Donc on a cette solution-là qui a adopté par les deux marques, qui est constituée d'une bande de velcro qui fait la jointure entre les deux morceaux. Et donc du coup, on a un ensemble qui est complètement camouflé, sauf que bien quand on veut renfermer l'objectif, il faut détacher le néoprène, et ensuite on peut évidemment rentrer l'objectif ou rentrer le zoom. Voilà, donc c'est la solution dans ces deux cas. Un autre point aussi par rapport à entre les Lenscoat et Wildlife, c'est que Wildlife propose à chaque objectif le kit pour camoufler le convertisseur 1.4 et 2. Voilà, c'est ces deux petits manchons en néoprène qui sont livrés à chaque fois,
mais qui ne sont pas livrés avec Lens Coats, ça c'est une option. Ce qui fait qu'il y a quand même une assez grosse différence de prix entre Wildlife et Lens Coats.